Eh bien bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 27 pour Hyrule Warriors. On va donc continuer à faire ce petit let's play qui mine de rien prend son temps, mais il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. J'ai d'ailleurs quelque chose ici que j'étais en train de voir, donc on va le faire direct. J'ai pas joué de mon côté d'ailleurs. J'ai pas joué de mon côté. Donc en fait j'ai pas fait ce que j'avais dit en fin d'épisode où je ferai le tri d'armes etc. Mais néanmoins j'ai joué à Breath of the Wild. Et je peux vous assurer que ça m'a fait un petit choc au départ. Le gameplay c'était plus le même hein. Ah non là c'était plus le même du tout. Et aujourd'hui on va faire ce niveau là. C'était le niveau qui était que j'avais raté dans l'épisode précédent. Donc on va le faire. Du coup j'ai pris un autre site pour les Korogus, celui-là. Vous allez voir, j'ai pris autre chose. On va prendre... je sais pas ce qu'on va prendre. Hein. On va prendre Revali. On va prendre Revali, on va faire face à ça. Ouais, du coup j'ai changé de site et la map elle avait pas mis les Korogus dessus. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai entouré avec Paint en mode à l'arrache les Korogus sur la map. Il est censé avoir un Korogu pas très loin d'ici d'ailleurs. Il est censé avoir un Korogu, si j'ai bien noté là, sur la carte, pour éviter que ce soit plus simple. Il est censé avoir un Korogu juste ici, par là, voilà, par ici. Hop. Voilà, et on va pas se quitter, parce qu'il y en a un qui est apparemment aussi. Juste derrière, dans le petit recoin ici, voilà. Super, je me suis tombé de bouton. Bon, moi je... Voilà quoi, j'utilise mon truc pour rien, c'est logique hein. Bon voilà, c'était le truc qu'il y avait à faire ici. Ah non, 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 il y a encore un autre truc. Non, non, il y a encore un autre truc. Je regarde, je vois sur ma map qu'il y a encore un autre truc. C'est par ici. C'est par là-haut. Par là-haut. Par contre, comment on va par là-haut, par contre? Parce que là, du coup, on est coincé ici. Donc, comment on va par là-haut de l'autre côté, par là, du coup? Ah oui, de par là, oui. Par là, effectivement. Il y a un Korogu qui est censé être... Bah là, oui, on peut le voir. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. J'ai encore les commandes de Breath of the Wild là, parce que... Voilà. Nickel. Donc... Ah, voilà, bon ça c'est fait. Ok, donc on va récupérer un Korogu qui est ma foi normalement pas très loin d'ici là. Voilà. Donc ça c'est le premier Korogu. Et le second Korogu il est plus vers le bas. Enfin il est dans l'angle vers le bas en fait. Voilà. Pour tout vous dire, il est juste par là, donc dans l'angle qu'on voit ici d'ailleurs, voilà. Donc voilà, petit Korogu qui est obtenu.
Ok, donc il y a un Korogu qui est censé être en face. Voilà, on le voit justement. On le voit justement. Voilà. Nickel. Re. Donc, on a terminé ce niveau du coup avec tous les Korogus. Et ça fait plaisir. Je pense que, ouais, j'allais dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer parce qu'on a quand même obtenu beaucoup de matériaux quand même en refaisant le bordel. Donc effectivement, donc là j'ai eu plein de petits combos. Donc on va donc partir pour faire... Pour faire des niveaux spéciaux du coup. Et ça c'est plutôt sympatoche. Est-ce qu'il y a autre chose à augmenter? Je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Il n'y a rien que qu'on puisse augmenter là. Donc, mission de combat. Ici, il n'y a toujours rien. Ici, c'est toujours terminé. Et ici, on a des choses. On va pas faire l'entraînement quotidien. Je pense qu'on va faire épreuve moyenne de glace. Je pense qu'on va faire ça. Et on va prendre une autre. On va changer. On va pas prendre ça. On va prendre. Je pense que. Je pense que j'ai envie de prendre. Je vais être franc en fait. J'ai envie de faire les niveaux assez rapidement quand même. Donc je pense que je vais prendre Impa. Est-ce que je change? Non, j'ai pas besoin de changer. Voilà, bon. Partir. Enfin, j'ai envie d'enchaîner les niveaux en fait. Comme ça, aucun problème. Ok. Épreuve moyenne de glace. En fait, je suis un petit peu distrait par une chose, c'est que j'ai mon ordi qui fait de la merde, là, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, je suis un peu distrait. Enfin, j'ai mon CPU qui chauffe, en fait, je sais pas pourquoi. Ça me l'a fait avant. Mais depuis quelques mois ça me l'avait plus fait et là ça me le refait. Je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah d'accord, les mecs ils sont carrément 3, d'accord. Alors une petite bombe. On va aller calmer. Oh là, oh là, oh là. Oh là.
La moitié des arbres partis étaient coulés. Oui, je sais. I know. Hop. Voilà. Succès. Un cri au roc est apparu sur le champ de bataille. Je suis parti du mauvais côté. Super. Ok. Bon. Là, les gars, je vous le dis. On va y aller. Quoi? Je me suis fait douille. Hop, coup point faible. Voilà. Voilà, pop. On bourrine. Hop, coup point faible. Voilà. Nickel. On a fait donc ce petit niveau. C'était sympathique. C'était sympathique. Plutôt good. Mais je suis perturbé avec mon truc de CPU là. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ça lague. Comme d'habitude, il y a un truc. Voilà, bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer? Eh ben non, on ne peut rien améliorer. On a fait ce petit niveau de l'entraînement de glace. J'ai fait une petite pause pour régler un peu mon problème de lag. Et on va continuer par la requête de l'aubergiste, par exemple. Donc faisons ça. On va changer. On va prendre... J'ai envie de prendre Roam. Et let's go, quoi. Let's go. Prenez le poste de contrôle de tous les avant-postes. Ok. Pop. Voilà, nickel. Pop. Et tape. Tranquille. Voilà. Hop. Et le petit qui est mort. Est-ce que je tue celui-là d'à côté là? Ouais, non, pas besoin. Hop. Oula, qu'est-ce que tu me veux lui? Voilà. Hop. Moblin de feu et Moblin bleu, ok. On va faire un petit coup comme ça alors. Voilà. Ça me semble plutôt good tout ça. Hop, coup point faible. Voilà, le truc est pris. Nickel. Carreau de vigueur, etc. On va donc
Allez, au dernier point de poste. Avec le petit Linel. Oula. Mais pourquoi pourquoi il s'est pas pris la bombe en fait? J'ai pas trop capté pourquoi là, mais bon. Je n'ai pas trop capté pourquoi. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Mais pareil, là il s'est pas pris la bombe. Peut-être que il est trop lent, peut-être Roam. Je sais pas. Je pige R. Bon, là je me suis trompé, donc ça c'est un peu normal. Hop. Ah, il passe à un nouveau suivant. Ok. Ok, hop. Hop, 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 hop. Hop, coup point faible. Et voilà. Petit niveau fait sympathiquement. C'était... ouais, c'était cool. Niveau sympathique. Ok, nickel. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? On peut effectivement améliorer quelque chose. Hop. Daruk, jauge plus 1. Sympathique tout ça. Sympathique tout ça. Et il me semble que c'est tout. Donc on va faire une autre mission. Non, ça c'est ça, je sais pas, ça chapitre ça. On va faire la grande fée des plaines peut-être. Récompense initiale, ça. Et justement, j'en ai besoin de 3 fées. J'ai besoin de 3 fées pour ça. Il me manque 3 fées. Donc, on va faire ça. On va faire ce niveau, du coup, la grande fée des plaines. Niveau 25. Et là, on va prendre pourquoi pas Daruk, du coup. Hop, partir. La grande fée des plaines. Rendez-vous au point de destination. Ok, ok. Hop, 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 hop. Faisons. Faisons ça, ok, nickel. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bon, c'est pas insane non plus quand même. Hop. Nice tout ça. Nice tout ça, nice tout ça. On va... ah mais on est ici d'ailleurs. Hop. Hop, 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 hop. Ah. Daruk qui passe au niveau supérieur. On va utiliser ça. C'est normal que je sois derrière. C'est pour faire une grosse explosion. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop,
Voilà. Nickel. Hop. On va faire un petit bouton A aussi. Voilà. Nickel. On obtient des choses hein, quand même. On est plutôt sympathique. Hop. On atteint le point de destination. Ramasser des rubis. C'est quoi ce trap là? Ok. C'est bon, bah j'ai ramassé des rubis. Hein. Hop, 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 hop. Continue vers le point de destination. Ok. Oh, un inox. Éliminer l'inox. Bonjour, inox. Voilà. Hop. On fait le bouton A. Voilà. Comme ça, on le diminue pas mal. Hop, 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 hop. Bon, ça reste un inox normal, hein, qui est tout à fait pas très difficile, hein, quand même. Hop, 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 hop. Hop, coup point faible. On le tape, on le tape, on le tape. Voilà. Nickel. Bon, c'est bon. Normalement, on va le tuer, là. Normalement, on va le tuer petit à petit. Ok, nickel. Ok. Le Inox est dead. Ramasser des rubis. Again. Again, again. On ramasse des rubis. Succès. Ok, nickel. Rendez-vous au point de destination. Ah, on peut voir la fée qui est là-bas d'ailleurs. La fée qui est toute là-bas. On peut la distinguer. Mais est-ce que c'est vraiment une fée? Je ne sais pas. What? C'est une méchante en fait. Oula, oula, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Oula, oula, fait mal en plus. Est-ce que tu... La foudre te fait mal? Ouais, bof, hein. Bof, 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 hein. Hop. Coup point faible. Hop, 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 hop. Pop, 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 pop. Oh. Ah, c'est bon, j'ai esquivé. Pop, 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 pop. Oh. Bon, bordel. Voilà, tu te... Voilà. Et on la termine, la petite fée. Enfin, là, c'est plutôt une grande fée, là. Le vaincu Kotura. Kotura. Je ne connais pas bien les fées dans Breath of the Wild. Enfin, je connais même pas leur nom, d'ailleurs.
Donc voilà. Donc on a eu une fée. Là où tu ne peux pas transformer plus d'armes. Oh, on va vendre plein de trucs là. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, bon. Hop, on a donc la fée. Les trois petites fées que j'avais besoin. Ok. Bon, du coup, hop. On fait ça. Voilà, du coup. Pièce de terraco. Nickel. Y a ça, on prend. Voilà. Jolie performance. Élixir férique. Sympathique. On passe donc au niveau 2. Ok, nickel. Je peux faire une autre pièce de Tarako. Ok. Ok, donc sympathique. Ok, une autre pièce de Tarako. Hop. Nouveau combo à la lance. Ok. Et on passe aussi de niveau 2 à Nekluda. Ok, sympathique. Est-ce que je peux monter quelque chose d'autre là? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. En tout cas, nous on va se laisser là pour cet épisode. Il sera peut-être un peu plus court que les autres. Mais bon, c'est un épisode secondaire. Hein. On va pas durer éternellement l'épisode. Surtout qu'on a quand même combattu un nouveau personnage, une grande fée. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Tchuss!